Salut. Ok, on a bien commencé la journée. En force. On est en forme. Allez, venez prendre la dose. La dose de la semaine. J'espère que vous avez fait votre don. Vous connaissez l'astuce avec ça, non? Tu mets ça derrière, tu ouvres en parlant derrière là. Après, tu prends ça, cette graine, tu mets dans ton, dans ta bouche. Bonjour, bonjour, bonjour. Venez prendre votre punch, votre tonus de la journée. Allez sur YouTube, j'ai mis des vidéos ce matin pour vous montrer comment utiliser les kits. C'est que je dois montrer encore et encore parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Bonjour la reine Sultane. Voilà. Regardez. Écoutez. Ils sont après votre énergie. Vous comprenez? L'énergie, c'est l'argent. Votre énergie va commencer à attirer les gens. Oh, j'aime bien ce que tu fais. Ne soyez pas distrait par l'argent apparent qu'ils ont. Ah, mais je vais te payer pour que tu restes avec moi. Bonjour, la reine grâce. Je vais te payer. Hey, way. I don't need your money. Because I can make money by myself. I am money. Je suis l'argent. Je peux faire l'argent. Je... on ne va plus vous prendre. Vos dragueurs qui vous cherchent, ils peuvent sentir quand ton énergie est high. Oh bébé, ça fait 2 semaines que tu ne m'as pas calculé. Parce que à chaque fois que tu viens me voir, tu me suces mon énergie. Après, tu me jettes. Oui. Maintenant que j'ai travaillé, j'ai bossé et mon énergie est... Oh chérie, on peut se voir aujourd'hui. Je t'amène à la maison H. Je t'amène à la durée. Je t'amène là où tu veux. Pourquoi? Ce n'est qu'aujourd'hui. Écoutez, hein, cette journée, les gens qui ne vous ont pas contacté depuis 2 mois, là, ils vont vous contacter. Vos ex-ticones là. Vous allez avoir les exticônes qui vont revenir. Ouais, tu sais. Baby girl, n'oublie pas. N'oublie pas. Parce que quand tu es encore high en énergie, tu peux supporter sa négativité. Mais quand sa négativité va diluer ton énergie, tu seras l'ombre de toi-même. C'est comme si tu es en train de suffoquer. What's happening, man? I'm suffocating here. What's happening? Come on. Like, I can't breathe. I can't breathe. There's something going on here. Vous devez savoir détecter, oh. C'est pour ça que tu vas te retrouver. J'ai fait tout. J'ai fait tout mon travail, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un leak somewhere. Il y a un petit trou quelque part. Tu te donnes les excuses pour parler encore avec la personne. You know, c'est quand même le père de mes enfants, non? Si je ne fais pas ça, il ne va plus donner l'argent pour les enfants. Ma chérie, qui ne donne plus l'argent pour les enfants? Let him not give it. Parce qu'il connaît, qu'il suffit qu'il t'appelle pour te dire, je veux te faire un défaut. On se voit où? Babe, mets dans mon téléphone. Tu ne peux pas mettre, tu laisses. Et tu es même comment, non? Depuis 3 mois que tu m'as assez pour que tu donnes l'argent des enfants, je vais te donner, tu ne veux pas me voir. Je, écoutez. Il a détecté. Il faut tes statuts, non?
Donc depuis quelque temps, tu mets un peu le make-up sur toi là. Tu achètes déjà de belles robes. Il sent que l'énergie de la fille est en train de monter. Quand il t'a laissé tes cheveux, il était comme pour une folle là. Ne vous inquiétez pas pour ma part de cheveux, c'est pas un choix que mes cheveux sont comme ça. C'est le choix. Quand il t'a laissé, tu comme si tu étais. Hier, je vous ai parlé de dépression. Parce que c'est réel. Maintenant, si tu ne connais pas comment mettre la ligne, tu vas te remplir. Ça te prend une semaine. Certains d'entre vous, ça vous prend un mois, deux mois. Pour que tes idées s'alignent à nouveau. Pour que tu croies que tu peux être la grande coach que tu as vue. Pour que tu croies que tu peux accomplir, tu peux construire tes immeubles. Ta vision revient. Tu te lèves le matin comme ça. Give me my check. Pour ce respect que ma check. Pay me in equity. Tu mets ta musique comme ça là. Tu mets, allez, tu n'as pas. Hey, oh. Ask under this. Ask under this. Tu te lèves, tu sens que non, quelque chose de bon est en train d'arriver. Something good is coming. Tu sais, ta puissance est restaurée. Écoutez. Listen. Mais non, le père de mes enfants, il n'était pas spirituel. Comment est-ce qu'il peut savoir? C'est un pervers narcissique qui se nourrissait de ton énergie. Maintenant, tu vas faire les barrières distants, les mesures barrées avec lui. Tu fais la distance, distanciation. Tu tiens le bâton comme ça, tu lui parles avec le bâton. Ok. Voilà, 2 mètres entre nous, 2 mètres. Ça, c'est la bonne grâce ici. Tu veux me donner quelque chose, dépose sur le bâton, dépose là-bas, dépose dans la cuillère là. Tu tournes, tu prends. Ce n'est plus tout le monde qui a le droit de vous approcher. Même moi là, ce n'est pas parce que vous dites que je veux te voir que vous allez me voir. On vous donne le travail, vous ne faites pas, vous voulez venir par mon énergie. Nalai. Nalai. Vous mentez. You the lie. You the Christ. Lave-toi seul, tu ne te laves pas. Fais ceci, tu ne fais pas. Ça ne marche pas. Tu veux m'appeler. Tu veux que je rentre dans tes dents. Tu es fou. Tu es folle. You the Christ. Moi-même, je protège mon énergie. Le père de mon enfant n'était pas spirituel. Comment est-ce qu'il peut savoir? Ma chérie, quand vous étiez en relation, il sait qu'il se lève. Tu as remarqué le jour où tu vas bien, il est choqué. Qu'est-ce qui te rend heureuse comme ça, non, la mère? Dis-moi même non. Dès que tu lui dis, ah, ça ne va même pas durer. Ah, le truc là, non, non, non. J'ai trouvé une bonne opportunité. Je vais acheter un terrain. Oui, je vais prendre 1000 mètres carrés à lundi là-bas. Ah, non, non, m'a dit non, ça n'est même pas une bonne affaire. Ce n'est pas une bonne affaire, ça ne va pas marcher. Tout ça, c'est pour tuer. On ne partage pas ces opportunités avec n'importe qui. Vous me comprenez? Not be everyone. Not be everybody. Et même quand quelqu'un vient dans ta vie, il doit mériter que tu lui montres tes secrets. Ah! Ouais, je vais vous dire les choses. On te voit à distance. Waouh, la femme, elle a toujours l'argent. Parce que si vous m'écoutez depuis là, hein, écoutez, l'argent coule dans votre, dans vos mains. Tu dors, tu te réveilles, tu vois les virements bancaires. Oh là là, la sauce gombo. Pff. Ton énergie. Oh là là. Ce qui est pas loin, ça me donne le goût. J'ai le goût de ça. Comment on dit que le goût de chat. La personne te guette. Est-ce que vous savez que vous êtes comme un mythe, comme un mystère pour certaines personnes? Il faut que je sache comment la fille se fait l'argent. Elle a dépensé 500 000 hier. Avant, tu es 500 000. Avant, tu es 500 000. L'autre jour, elle a signé un chèque de 3 millions pour acheter un terrain. Comment l'argent de la fille ne finit pas? I got unlimited resources.
I got the power, baby. Viens vider mon compte aujourd'hui. Le soir, c'est revenu. Vous doutez toujours de vous. Donc, quand tu as ton Decepticon, Dragaticon, Fiancéticon, mettez tous les ticons que vous voulez sur ça. Il vient. Dis-moi, mais tu fais, how do you do that? Tu fais même ça comment? Il va vouloir, la seule façon c'est qu'il court, il te tue, il ouvre ton cœur, il prend ton cœur, parce que c'est dans ton cœur. Le secret là, c'est ici dedans. It's here baby, it's in here. You can't take it. You can't take it away. Montre-moi tout ce que tu fais. Pendant qu'il est en train de ronfler sur le lit, tu te lèves à 4 heures, tu peux faire tes déclarations. Je vous montre les secrets, si vous ne faites pas, non. Ne faisiez pas. Vous ne faisiez pas, hein. Vous avez compris, vous me comprenez. Ils vont venir vous vider de votre énergie. Tu peux accumuler quelque chose, il vient en une relation sexuelle. Il prend tout ça, il part avec. Mais avant, tu étais simpleton. Tu ne connaissais pas. C'est pour ça que tu es tombé sur ma vidéo. C'est pour ça. Commentez que je suis au bon endroit. I'm at the right place. Commentez que je suis au bon endroit. Je vais ouvrir vos dons. Je vais vous réveiller. Une femme a commenté si hier, elle est dans le direct, elle dit que depuis que tu t'écoutes, j'ai déjà acheté déjà deux terrains. J'ai déjà fait quoi là-haut. Voilà les témoignages que je veux. Parce qu'on parle, même le don vous n'avez pas acheté. Même le sel vous n'avez pas chez vous. Tu n'as pas les armes, comment tu veux? Quand on va venir, on va te tuer. You don't get the weapons. You're not listening to me. You're not listening to me. Vous voulez seulement poser vos questions. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Vous n'écoutez pas. Why? Why? Voilà lundi. Dis ce que tu veux pour la semaine-ci. Combien de millions tu veux? Vous allez voir que vos petites dîmes de 100 000 que vous donnez là, c'est rien. Ma dîme, 100 000. 100 000. Même 100 000 par jour, c'est pas assez. Ouvrez votre esprit, ouvrez-moi, débloquez-vous. Ça ne va pas vous quitter sur ma page. Vous quittez sur ma page. Je dois vous montrer. Il ne faut plus que les gens viennent prendre votre énergie. Énergie, c'est argent. Énergie, c'est argent. N'oublie pas, ma chérie. Tu ne peux pas m'aimer, tu es connecté avec moi comme ça, tu n'as pas l'argent. Je dis que tu ne fais pas ce que je dis. Écoutez-moi bien. C'est que quand je parle, tu te couches, tu dors. Les femmes sont en train de se réveiller à travers le monde. Les témoignages que j'ai, Canada, États-Unis, France, Angleterre, ouais, même à Badjoun. Même à Badjoun. Écoutez, l'argent que vous avez eu le mois passé là, vous n'avez pas besoin de me rencontrer. Écoutez, arrêtez. Arrêtez-moi ça. Il y en a que, avant de me rencontrer, qui ont déjà fait même 3 kits que j'ai donné. Quand la personne arrive, c'est à un autre niveau. It's fly. It's fly. Avant d'acheter le kit, je vais te parler. Non, tu n'as pas encore l'énergie pour me parler. You don't get the energy yet. Il y a des gens qui, on s'arrange même que, ok, telle heure, 9h. 9h, je prends le téléphone. Ma batterie s'éteint. Le téléphone s'éteint. Ou bien, la personne force, elle prend ceci. Quelque chose se passe. Je demande, tu te laves au sel. Non,
Je voulais d'abord attendre de te parler avant de me laver avec le sel. Je dis que tu es bête. Tu es bête. Arrêtez d'être bête, je vous en prie. Je suis là ce matin parce que j'ai de l'argent à partager. Vous me comprenez? J'ai de l'énergie à donner. Quand vous m'écoutez là déjà même, je sens que vous sentez en vous comment vous êtes en train de vous réveiller. La semaine-ci, j'ai monté la cannelle. Prenez la cannelle, le ndon. Mettez une portion de cannelle dans votre porte-monnaie. Faites la poudre de cannelle. Vous mettez dans l'eau pour vous laver avec. Vous mettez l'autre dans l'eau, vous buvez. Vous chauffez dans, vous faites bruit dans l'eau, vous buvez. Vous prenez l'autre pour être vapeur. Vous aspergez devant votre maison. Le matin, première chose, vous mangez ça. 7 grains. Les vidéos sont sur YouTube. Mesdames, écoutez, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et ce que je vous dis marche. Ce que je vous montre, ça marche. Maintenant, devenez sage. Devenez sage. Ils vont venir. Écoutez, beaucoup de pères de vos enfants qui vous ont abandonné, ils vont vous contacter aujourd'hui. Vos ex qui sont venus vous abandonner depuis 10 ans là, ils vont vous contacter. Parce qu'ils ont senti votre énergie. Le spirituel est. L'homme qui t'insultait toujours là, il est devenu gentil. Tu sais, c'est comment Miss? Miss? Il ne t'avait jamais appelé Miss ou Jean. Miss? C'est comment? Je vais donner l'argent des enfants. On se voit à quelle heure? Ma chérie, dis-le de déposer dans le compte. S'il ne veut pas déposer, écoute. Il veut te voir physiquement. Parce que dès qu'il va te voir là, déjà que tu seras fly, tu auras mis ton make-up. Quand tu t'avais dit, oh, je n'aime pas le make-up, hein. Je n'aime pas le make-up. Le mariage, ce n'est pas la prison, hein. Hop. Chérie, ouais, je vais lancer tel business. Une maman me dit hier que chaque fois qu'elle dit à son mari qu'elle veut faire un business, le business là va tomber. Et le dernier qu'elle est venue, j'ai travaillé sur elle, travaillé. Elle me dit que j'ai mis de côté 5 millions. Alors que quand elle est arrivée la première semaine, ça fait 6 semaines qu'elle commence à travailler sur elle, n'avait même pas. Donc, oh, je sors avec les gens, ils ne me donnent pas l'argent. Oh, oh, j'ai fait comment? Oh, ne jugez pas la femme, ok? Elle arrive, elle m'a dit que elle a ses dragueurs Ticon dehors. Et elle a son mari, Marie Ticon. Moi, je ne juge personne. Je vous prends comme vous venez. Ma chérie, on poste au Gabon. Il n'y a pas de représentant au Gabon. On poste au Gabon, ok? Elle vient après 4 semaines. Elle me dit, maman, elle a fait son sacrifice au village. Fais ceci. Que maman, j'ai tout. Je veux commencer. Elle a fait l'erreur, elle est encore partie dire à son mari, tu connais. Dès qu'elle a dit, 2 jours plus tard, elle me dit que tout est tombé, mamie. J'ai dit encore à mon mari cette fois-ci qu'il veut faire le business. Je ne comprends pas. Bonjour, la reine Stella. En faux profil, bonjour, bonjour, je t'accueille, je te souhaite la bienvenue. Hey! Elle me dit que je ne comprends pas. L'enfant est tombé malade, j'ai encore pris une partie de l'argent pour aller soigner l'enfant. Wow, ceci, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis, ma chérie, reprends tes esprits. Grab yourself. Retiens-toi, je vais. On parle. Après, cette rencontre qu'elle a ouvert. Ce n'est pas n'importe qui que tu ouvres la porte de là où ton âge, dans ton business. J'ai ouvert la porte, j'ai donné mes idées à mon mari. Dès qu'elle ouvrait, peut-être qu'elle a dit. Le tout, c'est que quand tu ouvres ton cœur pour montrer à quelqu'un comment tu fais tes choses. Le tout, c'est que tu exposes tes idées à la personne. Bonjour, le roi Feuillot. Et quand tu exposes tes idées, il y a un risque. Voilà, supposons, je vous dis, voilà, on m'a parlé d'un terrain, c'est une bonne occasion.
Voilà, le monsieur vend son terrain. Le terrain vaut normalement 60 millions. Mais il a vraiment besoin d'argent. Il est bloqué. Il est bloqué au cadastre. Il a un terrain à Bastos qu'il veut vendre. Mais il a besoin de 2 millions pour solder ce terrain-là. Bon, comme il a déjà 70 hectares, il veut me vendre 1 hectare de terrain à 3 millions au lieu de 60 millions. Et le matin du jour-là, tu avais pris ton don. Tu as dit, Seigneur, donne-moi une opportunité. Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. Tu parles, tu machas, tu fais comme ça là, tu prends le courrier, tu mets dans ton porte-monnaie, tu prends ton bâton de commandement le jour là. Seigneur. Tu tombes sur quelqu'un qui tombe sur quelqu'un qui connaît quelqu'un. La personne te dit, opportunité, maman. On te donne les 1 hectare là. Donc, si tu as 2 millions, cash. Celui qui te connecte te dit même que si moi-même j'avais, je donnais. Parce que toi-même, tu connais le mois passé, je viens faire tes choses, je n'ai pas l'argent là, là, là. Te voilà alors que cogna, cogna. Que tu appelles ton mari. Le bébé. Quand tu te laves au sein chaque matin, il ne se lave pas. Vous connaissez Churchill qui est dans le truc, il fait comme ça là. Churchill que sa tête balance comme ça dans la voiture, non? Je n'avais pas pensé à l'autre là. Oh Seigneur. Tu fais comme Churchill. Ce sont les Anglais qui connaissent. Il y a un petit chien comme ça là que on le met souvent sur les capots des voitures là. Je ne sais pas. La tête du chien la balance comme ça là. Te voilà, tu prends le téléphone. Tu fais. Tu savais quoi? J'ai envie de rire. Ça. Tu appelles. Chérie, je vois une opportunité de business là. Oh, je voulais te dire que. Vraiment. J'ai vu une opportunité. Tu es en train d'être bête, ma chérie. Chérie, on m'a dit que le terrain, c'est vaut 60 millions. Hein. Voilà. Il dit, tchè! Non, ce sont les arnaqueurs. On m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui était parti une fois. Voilà, son terrain au cadastre. On a volé. On a pris son argent. On est parti avec. Il y a certains terrains que vous devez acheter. Vos dragueurs, Ticon, Marie, Ticon ne connaissent même pas. C'est ta cartouche. C'est ta carte. Et vous devez vous m'avez fait pleurer ce matin. Parce que tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Tu as parlé sur ton argent. Tu payes ta dîme. Ton bon mari ne paye pas. Tu écoutes mes directs. Tu fais le don. Tu fais tes lavages. Pour le moins, si tu as même pour le lavage à distance. Il ne connaît pas ce que tu as demandé. Arrêtez de mélanger votre foi avec les gens qui ne font pas ce que vous faites. Écoutez-moi bien. Oui, je vais laisser ton tout là-bas, même ton numéro de téléphone. Généralement, les pubs, quand tu viens faire la pub sur ma page, tu étais à distance. Écoutez, hein, vous connaissez ce que vous avez demandé. Et quand vous demandez l'univers, oh, je prophétise sur vous sur le mois d'avril-ci. Vous allez avoir votre terrain. Et les circonstances pour avoir ce terrain, ce sera le miracle. Vous allez rester comme ça, dire que yeah, ça fait 15 ans que j'essaie d'acheter au terrain. Ça fait 15 ans. Mais l'autre aussi, je n'avais jamais imaginé. Et c'est légal, c'est legit. Everything is legit. Marine, comme
Je préfère que tu travailles d'abord ton argent, tu attires d'abord ton argent. L'homme va venir monter sa peau dessus. Tu as compris? Je n'aime pas les femmes qui restent à moi, tu attends que l'homme te donne. Never. Hey, mon mari ne me donne pas. Ton mari n'est pas ta seule source financière. Va faire tes 10 business. Si les 10 business ne donnent pas, là, tu vas venir te dire que vraiment tu es maudite. Tu vas venir te débloquer. Le mois-ci. Jusqu'à hier, c'est là 6 mois. Je n'avais rien. Partir en Beng, fait 13 ans en Beng, revenir, rien. J'ai commencé le don, je n'ai même pas fait 3 semaines de don. Un jour, je me réveille comme ça, je fais mon don le matin. Chakarababaka, chikarabaka, ça. Je reste comme ça, là, quelque chose me dit que this is going to be a good day. Something good is going to happen to you. Je vous dis toujours que l'esprit va vous dire. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je sens qu'il y aura l'argent qui va entrer dans mes poches aujourd'hui. Je ne sais pas, je le sens. I just feel it. I feel it coming. I feel it coming. Hey, I feel it coming. Hey, I feel it coming. Écoutez, les choisir, à un moment tu connais quand tes choses viennent. J'ai dit que j'ai fait 13 ans en Europe, je suis rentré au pays. 2 ans. Rien, zéro, qui cognac. Je ne suis pas la reine des pauvres. Ne me dis pas, oh, je n'ai pas. Je ne suis pas la reine des mendiantes. Parce que moi-même, je ne m'en dis pas. Quand j'arrive quelque part, tu m'énerves. Je dis, ok, tu es bailleur, tu m'énerves. Je dis, carte, va les consommer ma part. Quand vous faites quelque chose de mal, ça va vous pousser à les faire pour vous. Le statut d'étudiante n'a aucune influence ou aucun impact sur ton argent. Tu te qualifies d'étudiante pourquoi? Comment faire pour commencer un business point? Tu veux que vous dire que je suis étudiant, ça veut dire que je n'ai pas l'argent. Chloé Penka, tu es mon fils, tu m'as déjà donné quoi? Mes enfants que vous... Écoutez, ne me tentez pas. Je me lève le matin là. Quelques mois avant ça, j'avais rencontré un homme qui m'avait escroqué en Turquie. Gaël Ngapi, Siapi, ce n'est pas l'endroit pour faire les... On est ici là pour faire les malades. On ne mendie pas sur ma page. On ne mendie pas ici. Chacun fait son travail spirituel, sa vie avance. Chacun. Donc je dis, aidez-moi, aidez-moi, je te bloque. Je ne suis pas la reine des pauvres, ni la reine des mendiantes. Je suis la reine des reines, ok? Tu vas d'abord te voir comme une reine et comme un roi. Aidez-moi. Elvise Tchitché, moi-même je suis papa de Marthe Karine. Tu as compris? Tu écoutes les idées de Marthe Karine. J'en ai rien à foutre. Tu as compris, non? Et vous connaissez, vous les gens avec le vagabondage sexuel, c'est quoi là? Le vagabondage facebookien là. Vous écoutez 50 personnes, c'est pour ça que votre vie n'avance pas. Tu dis ici, tu écoutes. Tu parles là-bas, tu écoutes. Tu mets finalement quoi en pratique? Je veux trouver la bonne idée. C'est ça votre problème. Vous faites du vagabondage. Moi, j'ai une personne que j'écoute. Une. Quand quelqu'un vient d'amour, oh, j'ai essayé tel coach. J'ai essayé tel coach. Quand tu me dis, il y a deux coachs là. Je ne peux pas travailler avec toi. Je ne travaille pas avec toi. Je ne travaille pas avec toi. Il dit, va localiser un d'entre eux. Si tu n'as pas fait ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ce qu'ils avaient dit que tu vas faire. Donc, me voilà, je racontais l'histoire. Quelques mois, il y a cela, quelques mois, j'avais rencontré... Je suis tombée sur un monsieur. Il m'avait escroqué en Turquie. Il me dit, ouais. Il me draguait. Un dragueur, tu connais. Il me dit, voilà, tu sais, si on lance le business, si ouais, je porte mon argent.
J'investis. Je rentre en France et j'attends l'argent. Le retombé, ça ne vient jamais. Il commence à me raconter que ça a quoi, ça a fi. Ça a quoi, ça a fi. Il dit que d'accord, je peux faire qu'on m'escroque 1 million au lieu de m'escroquer 50 millions. Donc, au lieu de rester, j'attends que tu me prennes 50 millions. Hein. Mais t'as-tu pas avec le petit que tu as appris là? On se sépare donc. 3 ans plus tard. Écoutez, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. C'est pour ça que ce soit un de mes employés ou un de mes quoi, ou ex-même, je suis toujours fair. I'm always fair in everything. Tu fais employer, je vais te virer. Même toi, tu veux partir. Si tu pars et t'appelles, que pardon, prends la langue. Je ne veux pas que demain on te rencontre. Oh, elle avait pour mon argent. Elle avait pour mes 10 000. Tu peux mal parler de moi quelque part. On se rencontre donc. Il savait qu'il était en position de faiblesse parce qu'il avait pour mon argent. Oh, qu'est-ce que je peux faire? What can I do to make amends? Oh, oh, nya, nya. Je regarde seulement et rit. Et comme j'ai tout l'argent, j'ai tout. Je dis que avant que je ne clique et que je comprenne, quand on m'approchait, il me disait tout coup, ouais, donne-moi. Tu vois, le temps où j'avais même pas 500 euros dans ma poche. Ouais, donne-moi, prête-moi 5 000 euros, non. Tu vois, quelqu'un vient te dire que prête-moi 10 000 euros. Je dis que, en fait, ça veut dire que les gens me voient comme quelqu'un qui a l'argent. Un jour, j'ai commencé, j'ai arrêté de dire que je n'ai pas, je n'ai pas. J'ai dit qu'il faut que j'ai l'argent que les gens me disent que j'ai là. J'ai commencé à lire le livre « Comment avoir l'argent que les gens croient que j'ai ». Donc, il me voit cette fois-ci. C'était en juillet, là, le juillet de l'année passée. Il me parle du business qu'il fait. Il lotit les terrains. Il dit donc qu'il part dans les villages. Il part, il voit peut-être... on lui donne peut-être 400 hectares. Les vieux du village là n'ont pas l'argent. Ça, c'est un business qui est courant au Cameroun. Et lui, il prend peut-être son argent. Il vient, il fait tous les papiers. Ça lui coûte peut-être 10 millions, 15 millions. Il apporte les engins. On trace, on fait les routes, on fait des trucs comme ça. Et puis, à la fin, il prend peut-être 30% des terres. Donc, il peut se retrouver avec 30 hectares comme ça là. Donc, je le rencontre, il me dit, ouais, si tu as même 5 millions là, tu me donnes. Il m'appelle, il m'invite au restaurant, il me conjoint. J'inquiète le gars. Il dit que... Je voulais faire dans le même business, mais je ne voulais pas traiter avec lui. Parce que je connais que quand quelqu'un t'a déjà arnaqué une fois, il va encore t'arnaquer. Quelqu'un t'a quitté une fois, il va encore te quitter. Quelqu'un t'a trompé une fois, il va encore te tromper, ma chérie. Il va tromper one. Donc, je dis, Seigneur, il m'a ouvert les yeux sur un business que je peux faire. Mais... je ne veux pas travailler avec lui. Bonjour, monsieur Saïd. Donc, je décide de ne pas travailler avec lui. Le temps passe, j'oublie même le business dont il m'a parlé. Donc, le matin où j'ai mangé mon don, là, je me réveille. Je parle sur le... je lui dis que Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Je partais pour louer une villa. Pour travailler. Je tombe sur la villa, je vois le truc. Le jour où je devais payer... je change d'avis par rapport à la villa. Je me dis, au lieu de prendre 3 millions, je dépose dans cette villa pour le loyer d'un an. Autant mieux que je prenne les même 3 millions, je peux avancer un terrain ou je paye même un terrain carrément. Donc je demande à la, je dis à l'agent immobilier, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me vendre un terrain? Même si c'est, ça dépend des endroits. Où il y a des endroits où le mètre carré c'est 80 000, il y a des endroits où le mètre carré c'est 3 000, il y en a où c'est 10 000. Donc,
Il me dit, attends, je connais un gars là. Il appelle. Le gars dit, oui, je vais te passer mon papa, mon padre. Le padre dit qu'on se rencontre demain à 7 heures. Le nom, c'est ça. Je rencontre donc le padre là à 7 heures. Dès qu'il me voit, il m'appelle ma fille. On arrive, il me montre la passage. Je partais regarder 1000 mètres carrés. Le padre me dit, il me demande, ouais, ton projet, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Je dis, voilà, j'ai pour projet de faire une école. Je viens de finir avec les enfants en août là, donc je veux construire un truc plus grand. Il me dit, waouh, ma fille, ton projet, c'est très intéressant. Je connais là où je vais te mettre. Mais si tu ne peux pas seulement prendre 1000 mètres carrés, tu dois prendre 1 hectare. Je dis, ah, le padre. Mais dis, sérieux, tu vas développer le coin ici. Je sais que ton projet là va développer le coin ici. Je dis, ah, là où je suis là, voilà tout ce qu'il peut donner en cash là. Il me dit, ne t'inquiète pas. Je vais t'étendre les paiements même sur 12 ans. On rentre à son bureau. Il arrive au bureau, il dit, tu sais quoi? Je vais te donner plutôt 2 hectares. Tu donnes la même avance que tu vas donner pour 1000 mètres carrés. 2 semaines plus tard, on se voit pour que il me donne, il doit me donner un document là, parce qu'on fait un certificat de vente, un truc comme ça. Il me dit, tu sais quoi? Dieu m'a parlé la nuit. Écoutez, les gens ne connaissent pas ce que vous avez demandé à Dieu. J'ai ma fille, Dieu m'a parlé la nuit. Je vais te donner 1 hectare gratuit. Je dis, hein? Oui, oui, on m'a déjà cadeauté avec 1 hectare. Everything you put your hand, go work. C'est que je vous dis chaque jour dans les vidéos ici, là. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Ce que je vous prêche, c'est ce que je fais. Et ça marche. J'ai des témoignages des femmes qui me contactent et me disent que, mamie, ha, que je vis le film. J'ai dit seulement, j'ai dit, j'ai béni ton témoignage. Paul a dit que, il ne faut pas que je vous prêche. Moi-même, je pars, je tombe. Que je fais, je discipline mon corps pour faire ce que je vous dis. Il dit, Dieu m'a déjà donné 1 hectare. Et je vais te donner 2 autres hectares à 30% du prix. Donc, c'est un peu comme s'il me donnait même 2 hectares gratuits, que je devais payer 3 hectares. Ma chérie, moi, je ne sais pas si le sel tue les lézards. Mais si n'importe qui est arrivé là-bas, il est calé seulement, non? C'est tout. Il est calé. Bon, ça, ce n'est que le début de comment j'ai commencé à avoir tellement de terrain. Tellement. Tellement. Quand il vous dit tellement, c'est tellement. Il est plein de vie. L'ennemi connaît ce que vous étiez censé avoir depuis 15 ans. Donc, il va venir. Et je vous dis que si vous faites ce que je vous montre là, vous entrez dans une période de restauration. Tu as lancé le business avec le père de tes enfants. Il a pris tout l'argent, il est parti avec. Tu as fait avec tes ex, il est là pour l'argent, il est parti avec. Écoute ma chérie, tous les millions et les milliards que tu devais avoir depuis toutes ces années, fais le travail que vous montrez là. Dans 6 mois, tu vas regarder en arrière. Tu vas dire, wonderful. Joël chapitre 2, verset 23 à 26. Je vais restaurer les années que la sauterelle a mangé. The canker worm. I will restore the years that the canker worm has eaten. Le locust. En 1 mois, tu vas faire ce que les gens font dans ta famille en 5 ans. Tu commences à construire. Je vous ai dit que 2 mois, bien, tu as fini de construire la maison. C'est seulement la dalle qui a pris le temps parce qu'il fallait 21 jours pour que ça sèche. Tout l'argent que vous avez pris, on est parti avec là. On a pris, on est parti. Tu tombes sur un business comme ça là. On te dit bénéfice 20 millions en une semaine. Oups, ça en a ton compte. Tu dis, yay.
Rappelle-toi, ma chérie. Je ne vais malheureusement pas nommer le directeur de quoi c'est. J'ai un monsieur. J'avais besoin de son aide. Je suis allée dans son bureau, il m'a aidé. Pour ce témoignage, j'aurais aimé vraiment nommer qui c'est, mais je ne peux pas. C'est le directeur d'une grande firme. Quand je vais là-bas, je vois la personne, il m'a aidé, il m'a fait une faveur. Après ça, je lui parlais de spiritualité. D'abord, il faut comment il était habillé. Il dit, est-ce que tes trucs là marchent même? Est-ce que tes trucs là marchent même? Je lui dis, monsieur, ça marche. Monsieur le directeur, ça marche. 10 jours plus tard, il m'appelle. Bonjour, le roi Wafo. Il me dit, est-ce qu'elle peut venir te voir? Partenaire. Il dit, ça ne concerne pas ce qu'on avait traité dans mon bureau, ça concerne ma vie de famille. Je dis, oui, Seigneur, tu amènes le directeur chez moi. OK. Il arrive. Il me présente le problème. Il y a un de ses enfants qui avait un problème spirituel. Je lui donne les produits. En lui donnant même les produits, je ne savais pas. Donc, ça me faisait bizarre, genre. Ça, c'est quelqu'un qui allait en Europe, il l'a fréquenté. Et il est directeur d'une grande firme au Cameroun. Et il me disait, bon, quand tu vas parler de trucs spirituels, c'est là. Je lui ai donné les produits. Il y va au village, fait tel truc sur la tombe de ton grand-père et de ton père. Il me dit qu'effectivement, une personne m'a arrêté en robe l'autre jour, il m'a dit d'aller faire ça. Je lui dis, va faire, tu vas voir. Va faire. Je donne les produits. Il me dit encore. Il me dit, fais le message, tu dis à ma femme comment utiliser. Donc la femme, je montre tout. Voilà, ça là, tu verses comme ça, tu mets ça dans le tous les enfants, voilà. Je reste 2 semaines, je n'ai pas de nouvelles de lui. 3 semaines. La 4e semaine, un de ses employés qui me visite aussi vient et me dit, ah, il a été promu. Il est maintenant dans une autre région. Donc maintenant, il est donc directeur de toute la région. Donc avant, il était seulement directeur dans notre agence ici-là. Et il prenait juste le coin de doigt là. Maintenant, il coiffe. Elle m'a dit tous les départements qui coiffent. Elle dit que c'est grave seulement que la promotion sur lui est. Que c'est le helélé. Elle m'a dit félicitations, c'est tout. Je vous le dis, on est dans une saison de restauration. Que tu es quelque part à un poste que tu devais avoir ta promotion depuis. Mais le diable avait, on avait comme ça là. J'ai dit à monsieur là que ton père est mort. Certes, va te reconnecter avec ton père. Va te, il est parti au village, il a fait tout ce qu'il devait faire. Écoutez, je ne suis pas ici là pour. Avec ou sans vous, mon argent entre. Avec ou sans vous, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Parce que je suis l'argent. Dites-vous-même que je suis l'argent. Dites-vous que je suis l'argent. Arrêtez de me parler de vos rêves. Je ne veux pas vous parler des rêves aujourd'hui. Je suis là pour vous dire. Et même si tu rêves que tu es en train de mourir, quelqu'un te dit que je rêvais que tu es mort, prends ton don, tu déclares que toute attaque sur ma vie, j'annule. Arrêtez vos choses là. Et rêver que. On peut t'envoyer un mauvais rêve la nuit pour te déstabiliser. Ou les quelqu'un vous dit. Vous n'aimez pas, on vous dit pas, lave-toi, fais ça, tu ne peux pas faire. Parce que tu veux dire, j'ai rêvé qu'il y avait ça sur ma tête, ça veut dire quoi? J'ai rêvé que ça veut dire quoi? Je préfère qu'on me dise ce qui va m'apporter l'argent. Je préfère. Et dans la signification, ton rêve, tu restes dans ta petite chambre de 20 000. Ça t'a aidé. I am money. Je suis l'argent. L'argent sort de moi. I make money. Vous parlez de quoi? Je vous ai dit qu'ils vont venir.
Ils vont venir. Ils vont essayer. L'argent que vous avez eu en masse, mettez 2 zéros à côté. Je sais que pour certains, vous n'avez même pas osé prononcer la somme. Vous êtes dans une période d'accélération exponentielle. Avant, je te faisais 1 million le mois. Aujourd'hui, tous les 2 jours, tu as 1 million. 500 000 par jour. Après, tu montes à 2 millions la journée. Tout, c'est l'énergie, hein? C'est l'énergie. Il y a les jours que je dors, même seulement. Je dors, je me couche, je dors. Parce que vous croyez qu'il faut que je parte, je dois travailler, je dois prendre les heures extra, je dois. On vous montre les choses que vous ne faites pas. Quand on est dans la période d'accélération, ça veut dire que l'argent est partout. C'est dehors, c'est dans l'énergie, c'est dans l'atmosphère, c'est partout. C'est là. Tu as une petite idée comme ça, tu te lèves. Tu as une impulsion, hein. Puis tu postes sur ton groupe, sur ton truc. Tu lances le, tu postes. Quelqu'un t'appelle. Là, tu vends la voiture, là, tu as 2 millions. Alors que tu postais pour vendre la voiture, là, depuis 2 mois, sur ton Facebook, personne n'achetait. Tu as fait ton travail, tu t'es lavé au ciel, tu es resté au ciel avec 12h30, une idée t'est venue. Mets sur ton statut maintenant. Tu prends, tu mets sur le statut. Quelqu'un t'appelle, là, il a l'argent de ça. Écoutez, hein, votre argent, hein, quand c'est votre argent, depuis 3 mois, l'argent là connaît que ça vient dans ta main. Ni la mia faut, je veux pas les gens qui souffrent pour le boulot. Hein. Crée le boulot. J'ai besoin du boulot. Je ne prie pas pour que les gens aient le boulot. Je prie pour que tu crées tes business et que ça marche. Donc avant que ton acheteur ne pense à avoir l'argent, sa banque peut-être a approuvé son crédit. L'argent du crédit là venait dans ta poche. Tu restes seulement ça là. Petite action, 80% d'effort. Non, 20% d'effort, 80% des revenus. Sophie Wamba, je vais te bloquer, ne t'inquiète pas. Vous allez toujours rêver que cette grande star, il y a Eto, les agents de lumière là, Eto Fils, Francis Ngannou, tous ces agents de lumière là, les gens ils sont très célèbres. Quand l'argent est en train de venir en vous, vous voyez ces personnes-là. Il y a une de mes filles qui me dit l'autre jour que maman, elle est dans un travail depuis au moins 2 mois et demi. Elle est donc travail sur travail. Lavage, oh, purification. Oh. Sa famille l'avait trop attachée. Elle me dit que mes oncles, c'est devant moi aussi, me disent que tu vas voir, tu ne vas rien faire. Du haut de sa quarantaine d'années. Elle dit que moi, voilà, je recommence encore. Je ne savais pas que je vais tenter de commencer à nouveau. Je lui dis, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je te donne 3 mois avec moi. Maintenant, elle paye la dîme seulement tous les jours. Tous les jours, elle paye la dîme maintenant. Au début, il fallait qu'elle cotise l'argent pour acheter un kit. Après, elle cotise encore un peu. Maintenant, là, tous les jours, je vois seulement dans le PayPal. Dîme. Elle me dit, j'ai rêvé. Je faisais, je crois qu'elle était dans peut-être le 3e jour de son kit fondation. La poudre de lumière sort d'un kit. Va sur la notice du kit, tu vois ça. Elle dit que maman, Eto est venu, il a pris plein de bougies, la bougie représente la lumière. Il est venu mettre dans mes mains. Après, m'a donné la clé d'une Q7 dans le rêve. Voilà les numéros pour payer la dîme. Il y a le Orange Money. Il y a MTN Money. Orange Money 693 50 22 66. MTN Money 6 80 71 07 01. Joël Kenney, je ne permets pas la publicité ici en désordre. Tu as compris? Tu as compris, Joël? Louise, tu es dépassé pourquoi? Vous me wandaillez.
Si tu comme te propose. Et attendez-vous à ça. Attendez-vous. Que tu restes comme ça, là, on te donne l'argent. Tu restes comme ça, là. Ah oui, je te devais, je te mets l'argent dans quel compte. Dis-moi non, je vais te payer, je vais te payer. La personne, là, ne dort pas. Il y a un esprit dans la nuit qui lui dit que paye l'argent de la reine, là. Oui. Tant que tu ne payes pas, tu ne te reposes pas. Wood, c'est pas tout le monde qui me rencontre. Tu as compris? On rencontre une reine comme ça. Donc, préparez-vous à votre nouvelle dimension financière. Put some respect on my check. Pay me in equity. We live in lavish. I got expensive habits. Le luxe. Le luxe, en fait, c'est un truc normal pour certaines personnes. Hein. C'est normal. Genre. Et l'autre jour, vous avez entendu le démon là qui a parlé, non? Il y en a parmi vous qu'il y a des démons dans votre corps. Pour l'autre là en particulier, il disait que il a son serpent dans le ventre de la fille là. Marivonne, donc tu veux que je vienne te donner la notice de ton. Va sur YouTube, tu vas voir les vidéos. Même ce matin, j'ai mis des notices. Ce matin, j'ai mis des vidéos. Allez fouiller, vous ne voulez pas fouiller, vous laissez. Tu renvoies ça à la représentante, il te renvoie ton argent. Vous avez compris? Ne m'embêtez pas. Je passe des heures en ligne, je fais des vidéos, je vous montre comment utiliser les produits. Vous voulez que tu vois en inbox? Dis-moi, on dit ça comment? Vous voulez que je fasse comment de mon temps? J'ai une vie aussi, non? Ce matin sur YouTube, j'ai mis la vidéo. Va regarder. Tu ne trouves pas, tu remballes tout. Tu renvoies, elle te renvoie ton argent. Même l'argent que tu as posté avec, elle te renvoie ça. Comme ça, vous me laissez tranquille. Ouais. L'autre jour, j'ai fait le direct. Ça fait 4 jours que j'ai fait le direct ici. J'ai expliqué encore tous les kits. Ce matin, j'ai encore fait des vidéos. J'ai expliqué tous les kits. Il ne connaît pas comment il ne connaît pas. Tu ne connais pas, tu laisses. Tu ne connais pas, tu laisses. Tu l'envoies le truc. Tu dis que donnez-moi mon argent, on te rembourse. Et les pauvres là, ne m'envoyez plus votre argent. Les pauvres là. Voilà, je t'ai envoyé mon argent. Est-ce que tu peux me rembourser? Je suis bloqué dans une situation au Cameroun. Tu as 100 000 prêts? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'argent? Tu m'as écouté depuis 6 mois. Tu as utilisé mes vidéos. Tu n'as jamais fait une offrande de 1000 francs. Tu as même stressé pour qu'on te rembourse ton argent. C'est comme ça que vous êtes tous les deux calés au même endroit. Calés au même endroit. Oh Seigneur, explique-le Seigneur. Vous êtes habitués à partir dans les églises pour qu'on doit vous mettre la pression. On doit te... Pour que donnez l'offrande. Si vous ne donnez pas, Dieu va vous punir. Moi, je vous dis, ne donnez pas. Vous allez lire. Ouais, Seigneur. J'ai une jeune fille qui est venue l'autre jour pour me voir. Christelle Fomen, j'ai mis des vidéos. Parce qu'il y en a même parmi vous, on met la notice. Voici une des notices ici, là. On met, vous lisez, vous ne comprenez pas. Il y a les illettrés qui me suivent. Voilà ça, voilà. Il y a les illettrés qui me suivent. Je mets la vidéo, tu peux regarder la vidéo. J'ai au moins pour chaque titre, au moins 2 vidéos sur YouTube. Allez regarder. Ce matin, j'ai mis vidéo de commerce, fondation. J'ai mis ça ce matin. C'est rien. 1000 euros, c'est rien. 2000 euros, c'est rien. C'est la façon dont tu vois l'argent qui bloque même l'argent là pour que ça ne vienne pas dans ta poche. J'ai une dame qui me contacte l'autre jour, elle me dit, je ne connaissais pas la dîme. Je t'écoute maintenant. Tu sais quoi? J'ai dans mon compte 10 000 euros. Je vais t'envoyer. Elle m'a envoyé 1000 euros cash. Cela, même pour donner 5 euros, c'est rembourse-moi mes 50 euros. Vous-même, vous savez que quand c'est moi qui vois, je veux dire que quand c'est la secrétaire, il y a 2 numéros. Quand c'est la secrétaire qui voit, elle peut-être elle peut faire, elle vous tourne un peu. Quand c'est moi, je te rembourse. Il dit pas avec ta malchance. Il y a même
une l'autre jour, elle avait envoyé, je n'avais jamais même vu le message. L'argent là, on n'avait jamais touché. La photo là, on n'avait même jamais ouvert. Elle se fâche elle-même, seule. Oh, remboursez-moi mon argent. J'ai vu son message la nuit, j'ai dit, madame, désolé. Je n'ai jamais vu votre message. Je n'ai jamais touché à votre argent. Donc allez demain à mon écran, vous reprenez votre argent. Allez vous-même prendre votre argent. Je vais construire ma maison à 50 euros. Je dépense 50 euros en 2 minutes. Passez une journée avec moi, vous allez voir. Vous parlez même de quoi? Je vous donne les ultimatums, hein. Je ne veux plus dealer avec les pauvres. Délikez ma page, partez votre pauvreté. Voilà. C'est bon, non? C'est bon, non? Voilà. Si le message est passé, c'est pas parce que vous me voyez dans les vidéos ici, je fais le direct que vous croyez que... Pauvre, pauvre, pauvriton, pauvriticone. Le mind s'était bloqué. Une jeune fille est venue l'autre jour. Je sentais que c'était une étudiante. Elle m'a apporté le plan tému. J'ai regardé, on s'est dit que waouh. Tu vois, j'ai pris un petit sac que j'avais ramené de je sais pas où. J'ai pris et donné à la fille là que prendre. Voilà ma part de cadeau que je te donne aussi. J'ai prié sur elle. Si la fille là n'a même pas 1 million le mois, c'est là. On ne vient pas voir une reine sans un cadeau. Je vous apprends les règles de base. Je n'ai pas. L'esprit de manque. L'esprit de manque. Partout où je passais, si tu m'as servi pour boire, même si tu as ouvert la porte comme ça, tu as tenu la porte comme ça, tu as ouvert, je suis entré. En sortant de la banque, là, je vais te donner pour boire. Tu as en abondance. Tu as en abondance, tu ne manques pas. Tu avais compté. Vous me devez 1 centime, madame. Vous avez oublié de me donner 5 euros. Ouais, Seigneur. J'ai reçu ma jumelle là l'autre jour. Elle est venue. Je vous ai dit que j'ai. Pour la première fois, je me suis assise avec quelqu'une comme ça là. On part manger, c'est elle qui paye. Même les gambas de l'autre jour là, elle dit, ma reine, c'est moi qui offre, ma reine. Je suis restée au sage, j'ai dit, ah, l'abondance que la femme, ce qu'il y a sur la femme, c'est. On arrive au restaurant, on mange. Je veux donner le pourboire. On a même discuté qu'il devait payer la facture. Elle dit, non, c'est moi. Oh, Seigneur. Et la veille, j'étais dans ce restaurant là, j'ai donné les pourboires aux serveuses. Donc, quand la nouvelle est venue, le sourire était là. Elle savait que l'argent est encore venu. Écoutez, je ne cherche pas les followers. Vous me suivez? Je ne cherche pas les followers. Si je fais mes vidéos, j'ai 10 personnes qui mettent en pratique ce que je dis. Ça me fera 10 millionnaires et 10 futurs milliardaires. Donc, milliardaires en chemin, en route pour devenir. Et je sais que je les ai déjà. Vous me comprenez bien, non? Vous me comprenez bien? Donc, si je parle, vous pensez que je parle et que ça résonne mal dans votre cœur. Quittez sur ma page. Very simple. Soit si je ne vous ai pas bloqué avant. Je ne cherche pas les followers. Parce que vous allez décider, tu connais. Il suffit que j'ai un problème demain. Si demain vous ne me voyez pas sur la page ici, est-ce que vous allez me chercher? Oh, on ne voit même plus ces vidéos. Oh, il y avait une fille qui enseignait. Elle enseignait bien. Ah, vous passez à une autre personne. Jésus lui-même a dit que je vous connais. Je connais votre cœur. Léa Noussa, tu sais quoi? Ma jumelle, elle s'appelle aussi Léa. Hein? Je t'assure. Celle dont je parle, elle s'appelle Léa. Donc peut-être que tu es...
Ah, les secrets de la richesse. Le pauvre ne comprendra jamais. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. C'est pour ça que vous êtes toujours, depuis 6 mois que vous écoutez mes vidéos, c'est pour ça que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. J'ai fait ça, ne marche pas. J'ai fait ça, n'avance pas. C'était avec plaisir, la reine Viviane. Si j'ai mis mes mains sur toi, c'était avec plaisir. Quand tu es en train de pleurer le loyer de 100 000, dis-toi. Dis-toi. Anne-Marie est bon. L'histoire du serpent dans le ventre de la dame. Le serpent lui-même a parlé. Et tu sais de quoi je parle. Il a dit que c'est lui qui bloquait la dame depuis. Que c'est lui qui l'empêche d'être riche. Que pourquoi je prie pour cette femme. Que c'est lui qui a bloqué tous ces trucs qu'elle a fait, l'orphelinat qu'elle veut construire, c'est lui qui a bloqué. Les gens avaient suivi ça sur mon direct ici le jour-là, non? Que je ne le tue pas. Je vous ai dit que je suis venu vous délivrer. Vous allez devenir riche contre vous. Donc, de gré de force, vous allez devenir riche. Jusqu'à même le mauvais esprit dit que pourquoi tu veux qu'elle devienne riche? Parce que les démons la connaissent. Comment je mets le cœur sur vous? Vous allez devenir riche. Donc tu vas me rester comme ça là. Tu arrives quelque part, ta main se lève seule, ça prend l'argent, ça donne à quelqu'un. Oui. Joyeux anniversaire à la personne qui a son anniversaire là. Le loyer que vous voyez pour vous là, j'ai fait comment pour payer le loyer de 100 000, c'est beaucoup. 100 000, c'est beaucoup. Imaginez-vous en train de payer un loyer de 500 000 le mois. Écoutez. Le petit argent que vous avez et que vous pleurez, j'ai fait comme... Tu achètes le sac. Le sac à 100 euros, tu pleures. Ah! Tu vas acheter le sac de 1000 euros. Donc tu prends 600 000. Tu pars, tu donnes que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend un petit sac comme ça, on te donne. Tu regardes le sac. Parce que tu achètes de l'énergie. Il y a les gens pour qui c'est normal. Genre. Tu peux avoir les tickets d'avion, 150 000, 200 000. Tu peux acheter ce qui est 450 000. Tu as l'option de 150 000. Mais ton énergie est déjà high. Tu es sur un autre niveau. You are on another level. Et quand tu dépenses l'argent, tu achètes de l'énergie. L'argent, c'est l'énergie qui achète l'énergie. Tu vas voir que pendant les 6 heures de voyage, là, ta vibration va s'élever. Tu vois d'abord les pauvres qui sont assis derrière, ils ont payé 150 000. Là. Ceux qui ont payé 500 euros, toi tu as payé 2000 euros. Tu t'assois, tu fais. Ah, tu te relaxes. Life is good. Bonjour madame. Est-ce que vous voulez du caviar? Vous voulez du cognac? Vous voulez. Oui, je vais prendre un verre. Emporte tes bagages pour toi. Tout. C'est dans ce que tu vois. Certains, vous allez vider votre dressing. Dieu va te mettre au challenge care. Chaque semaine, tu dois acheter 6 vêtements. Chaque jour, tu portes un vêtement. Un vêtement. Parce que l'argent va commencer à entrer dans ta poche chaque jour. Si par jour tu te fais 1000 euros, est-ce que ce sera difficile pour toi de sortir 100 euros pour acheter un habit chaque jour? Level up, level up. Tout, c'est avec
Voyez avec l'énergie. Chaque jour, tu as 1000 euros dans ton compte. Payer un loyer de 5000 euros par mois, c'est pour toi, c'est. Chaque jour, j'ai 1000 euros qui entrent dans mon compte. En une semaine, ça fait 7000 euros. En un mois, 30 000 euros. 30 000 euros. Est-ce que ça va te dépasser de prendre 5 000 euros, tu payes le loyer? Augmentez votre énergie. Quand tu vas commencer à aller acheter une chose, deux choses, voyager en business class, tu vas voir que tu vas commencer. Parce que la différence entre le riche et le pauvre, c'est l'énergie. Et c'est la valeur. Le riche va acheter l'ordinateur peut-être. Il va acheter le Mac. Il va dire, ah, le Mac c'est 1500 euros. Ah, c'est cher. En 3 jours, je fais 3 000 euros. Le riche n'est pas dans l'épargne. Voilà votre problème. Vous voulez seulement garder l'argent. Vous savez, je comprends le temps le mokwanye qu'on disait aux gens que on va te donner l'argent, mais ça doit finir à la fin de la journée. Anne-Marie est bon. Christelle Amassana. Zoveta Amor, Algérien. Voilà ça, esprit de mari de nuit et puis le kit délivrance. Beaucoup de ces entités-là sont dans vos utérus, dans vos ventres. Ils vous bloquent. Si tu te fais une telle somme par jour, tu vois que ce sera pas. Tu as besoin de faire 1000 euros aujourd'hui, tu prends 500 euros, tu mets de côté. L'esprit te dit peut-être, ok, va payer tel crédit à telle somme, va faire ceci. Tu vas voir que le riche n'est pas seulement là pour épargner, mais son but à lui, il prend, il investit. Il prend, il investit. Il prend, il donne. Il prend, il fait les dons là-bas à l'orphelinat. Il prend, il investit. Parce que c'est quand ça sort que ça entre. Voyez un peu comme si il y a un certain niveau. Voilà, tu prends peut-être un seau. Tu mets de l'eau dedans. Peut-être que ton niveau d'argent que tu dois avoir en permanence chaque fois, c'est 10 000 euros. Et chaque jour, tu as 5 000 euros qui entrent dans ton compte. L'eau, l'argent monte, tu as 15 000 euros. Tu sors 5 000 euros, tu la descends. Demain, tu as 8 000 euros qui entrent. Tu enlèves encore peut-être 9 000 euros sur ça. Après-demain, tu as encore. Tu vas voir que tu auras toujours. Tu auras une base en dessous de laquelle tu ne peux pas souvent aller. C'est-à-dire, même si tu te vides de ce que tu as 5 000 euros dans ton compte, le lendemain, 15 000 euros vont venir. Parce que tu as une certaine base déjà. Et n'essaye pas d'accumuler seulement. Et parfois, tu vas voir que une opportunité de business va venir. Genre. Si tu as 30 000 euros, tu donnes ici. Tu te fixes maintenant 30 000 euros comme objectif. Pour devenir actionnaire peut-être dans un restaurant ou bien dans un truc ou bien pour ouvrir une succursale de McDo quelque part. Il faut 30 000 euros. Tu te fixes comme objectif de mettre 30 000 euros de côté. Tu économises pour un but. Tu économises, ton compte arrive à 30, 35 000 euros. Tu prends peut-être 30 000 euros, tu investis dans le truc. Et ce dans quoi tu as investi va te rapporter peut-être 1 000 euros en plus supplémentaires. Chaque jour. Donc l'argent que vous avez actuellement, c'est pour mettre d'autres business. Parce que les choisis sont dans les business. Les choisis. Vous êtes dans les business.
Et il y a les business passifs. Genre, tu investis. Tu n'as pas besoin de faire d'être là-bas de 8h à 22h chaque jour. C'est pour ça que je dis le trading. Fais le trading. Tu te lèves le matin comme ça. Tu pars, tu regardes tes stocks que tu as mis sur le marché. Ouais, je vais vous montrer. J'ai versé du sel ici. Je vais vous montrer un fait. Vous voyez? J'ai aspergé le sel ici autour du lit la nuit. Vous voyez que ça a fait de l'eau, non? C'est de l'eau. Regardez. Vous voyez? J'ai mis ça tout autour du lit avant de me coucher. Là, c'est les astuces que je vous montre souvent. J'ai mis ça tout autour du lit. Donc, j'ai enlevé mes chaussures pour faire le direct. Vous voyez? C'est transformé. C'est devenu de l'eau. Voilà. Ça, ce sont les astuces que je vous donne tout le temps, mais que vous ne mettez pas en pratique. C'est une reine qui m'avait justement fait cette remarque-là. Que le sel, en fait, c'est l'eau. Le sel, c'est l'eau. Ça sort de l'eau. Bon, le roi James, je vais allumer ta bougie. T'inquiète pas. Il retient ma chaussure rose. La chaussure, c'est très confortable. Il porte ça, il me sent aux anges. Je peux marcher comme une queen sans souci. Daniel Salissou, même si tu as tes idées de business, il me dit toujours, au lieu de se précipiter et être trompé dans le business, autant mieux tu prends ton temps, tu stabilises d'abord ton énergie. Quand ton énergie est bonne, les bonnes personnes vont venir à toi. Maintenant, vous voulez que j'allume vos bougies. Voilà que tout le monde maintenant veut la bougie. Attendez, je vais prendre la bougie, je vais l'allumer. Comme ça, vous n'allez pas dire que j'ai menti. J'aurais fait ce que j'ai dit. Vous allez commencer à commander les bougies ici là. From the moment I rise to the moment I sleep, my affection is for you. And even as I dream, I wanna know you. I'm after your heart. Bon, je vais allumer vos bougies tout à l'heure. Il faut que je trouve le briquet. Ah tiens, je l'ai trouvé. I'm chasing you. With all my heart. I just can't get enough. I follow you. I love your heart. Your heart. Your heart. Oh. Run my heart. You've run my heart and soul. And where you lead, I go. I wanna be where you are. Voilà, vous voilà maintenant les noms. Vanessa veut que j'allume sa part. Ouais, Seigneur, qu'est-ce que vous me voulez? Je dis que je vais allumer la bougie, maintenant c'est tout le monde qui veut la bougie. Hein? Nawedi. Vous voulez tout ça, on veut. Voilà, vous voilà. Bon, j'ai deux bougies ici, là. Je vais te dire vos noms, hein. Je vais dire vos noms.
Vraiment. Vous aimez ça, hein? Vraiment. Éternel des armées, Dieu tout-puissant. I am that I am. Je viens allumer cette bougie. Je demande la paix. La restauration dans la vie de James Wafo, qui est la première personne à avoir demandé. Sultana Nashkidi. Ghislaine Beya. Ngemenye Sandra. Ta lumière brille. Je viens activer ton étoile. Par cette lumière, je déclare que toute personne qui a pris votre étoile vous la restaure. Au nom de Jésus. Daniel Salissou, j'allume cette bougie pour toi. Franchement, c'est très puissant. Je sens des énergies. Waouh. Ketcha Golden, je déclare que vos dons vont être utilisés. Votre lumière va briller. Matthieu chapitre 5, verset 13. Carole Martin. J'ai besoin de vos noms, les noms même, parce que vous avez, vous êtes sur les noms des... Je déclare que selon Matthieu 5, verset 13, 14 et 15, vous êtes la lumière du monde. Gladys Mambundu, je viens restaurer ta lumière. Jumai Amadjoda, je restaure ta lumière, je restaure ton étoile, je restaure tes dons. Pierrette Techou, je mets la prospérité sur vous. Je viens restaurer vos idées. Tout vautour qui vient manger vos idées à chaque fois. Je vais te quamen. Je les chasse de vos esprits. Comme je vous ai allumé comme ça, je vous dépose en haut de la colline pour que vous éclairiez toute la ville. Aboudi, je déclare que vous éclairez. Aboudi Anne-Marie, je restaure ta lumière. Tu éclaires ta famille, tu éclaires toute ta ville. Yakouak Jomo Christian. Donc, Mo Larissa, je restaure ta lumière, Larissa. Je viens contre tout mal cardiaque que vous avez, les palpitations que vous avez qui vous dérangent souvent. Zaveri Damaris Doumou, je viens te restaurer. Je déclare, Ngoumou Ngui Aurélien, que le Seigneur restaure tes dons. Je restaure tes dons aujourd'hui. Pierrette Nana, je restaure vos dons. Vos dons spirituels. Je déclare que vous allez utiliser vos dons pour pouvoir prospérer dans ce mois d'avril au nom de Jésus. Idriss Chemdje, Foupi Sylviane. Mecca, Ngor, Ega, Adèle. Tout endroit, on a prononcé vos noms pour vous faire du mal. On a allumé la bougie, on a fait les incantations contre vous. Par cette lumière qui est entre vous et moi, je vous restaure. J'envoie les anges de lumière sur vous pour qu'ils vous restaurent. Au nom de Jésus. Ngemene, Alex. Je viens restaurer, j'enlève les maladies sur vous. Ngemene, Aimé. J'enlève les maladies de votre corps. J'enlève tous ces pans qu'il y a dans vos ventres. Je commande qu'ils soient détruits, qu'ils soient désintégrés. Jésus, Noélie. Bacobline, je viens vous désenvoûter. Je chasse toute mauvaise pensée de votre esprit aujourd'hui. Je restaure vos idées. Touchez votre front comme ça. Si vous avez lu le livre, vous mettez vous frottez trois fois sur le front. Mogun Kamga Doris, je restaure vos idées. Lo Yamkwa, je restaure vos idées. Les idées que le Seigneur avait prévues qui vont vous connecter. Humbia Christelle. Je te restaure, j'allume ta lumière. Comme ma bouche a prononcé tes paroles, les anges prennent ton nom et ils te restaurent. Sur tout hôtel maléfique où on a eu à faire des incantations contre toi. Tout comme Monte et Aurore, je te restaure. Magne et Cynthia, je te restaure. Damaris Zaveri Doumou, je te restaure. Au nom puissant de Jésus. Je viens détrôner tout mauvais esprit de votre corps, de vos trompes. Tout ce qu'on a planté dans votre ventre. Je prononce votre divorce de tout mari de nuit. Toula Elodie. Je prononce que tu divorces de tout mari de nuit. Juvette Kwamen Chabo. Mogun Kamga Doris. Je viens te restaurer. Que votre lumière ne s'éteigne plus jamais. Toute personne qui a porté atteinte à votre lumière, je commande que tout trou, tout endroit où on a pris votre lumière, on a mis dans la bouteille, on a fermé. Je viens briser cette bouteille par le sang de Jésus. Toute entité maléfique qui avait pris possession de votre argent, de ce qui vous appartient,
Par cette lumière qui brille maintenant, je vous restaure au nom de Jésus. Je déclare que votre travail spirituel que vous avez commencé depuis longtemps, il est confirmé par cette lumière. Dis faux tâton Anicel. Je vous restaure. Je vous bénis. Baoumi Simone, je te bénis. J'enlève tout embrouille, tout esprit de dépression de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Asie Corian Jofak. Tout nom que je prononce, que l'ange Gabriel, l'ange Michael prennent votre nom et partent vous restaurer. Christine Pauline, tout rêve dans lequel on vous avait attaché, je viens vous détacher. Donc, moi, Salis ou Daniel Raissa, tout endroit où vous a enfermé, si vous êtes dans des prisons physiques ou spirituelles, je vous sors de là. Toute personne qui a vu que vous avez envoûté, tout esprit qui a pris possession de votre corps, qui fait que vous gâtez vous-même vos choses, vous gâtez votre business, vous gâtez votre mariage, je vous désenvoûte maintenant. Magne Tamo Lydie, je te restaure. Que votre lumière brille. Je déclare qu'on ne va plus jamais éteindre votre lumière. Dans la journée, c'est le Seigneur qui est votre lumière. Dans la nuit, c'est le Seigneur qui est votre lumière. Au nom de Jésus-Christ. Algérie, tu n'as pas de nom. Pourquoi tu veux que je te prononce? DJ Fogé, je te restaure. Mbaga Eliane, je te restaure. Au nom de Jésus. Je vous restaure. Famini Gabriel. Sala Kwotu. Je viens vous désenvoûter. Tout endroit où on a allumé une bougie, on a parlé contre vous. Par la puissance du Saint-Esprit et de vos ancêtres, Ngekam Yvonne, je déclare que ces incantations sont annulées. Tout mauvais sort qu'on a prononcé contre vous, il y a des années, même avant votre naissance. Ira Guidak de, un truc comme ça. Josiane Kameni, Adeline Salomé. Je restaure vos lumières. Tout en dont on a parlé contre vous, même quand, vous étiez enceinte, quand on était enceinte de vous. On est venu parler contre vous. J'annule ces incantations. Baoumi Simone, Meka Sandio, j'envoie la restauration sur vous. Ngonmani et Séverine, j'envoie la restauration sur vos pensées. Je restaure votre titre de séjour. Je restaure vos papiers au nom de Jésus. Galemin Tsayo, Kwotu Atu Loïc, je te restaure. Je restaure vos enfants. Djidje Laura, je viens vous désenvoûter. Je vous sors de tout ce que maléfique. Tout endroit, on a allumé les bougies contre vous. On a parlé, on a fait des incantations contre vous. Toute personne qui s'est accordée avait un marabout contre vous. Reine Kamga, je te sors de tout ce que maléfique. Nicolas Boisson, je restaure tes idées. François Lucille, je restaure vos maris. Je restaure vos maris. Vos maris qui ont été envoûtés par leur mère, par leur soeur. Leur Léoué, je mets l'harmonie dans votre couple. Je mets l'harmonie dans votre foyer. Les gens qui sont venus, ils ont dit qu'ils allaient vous épouser. Ils sont partis, on les a envoûtés, ils vous ont oublié. Je déclare que vous revenez dans leur esprit. Géraldine Chamgwe, Elvige Menietiche, je vous restaure. Chez Jonathan, je vous restaure. Je vous restaure. Au nom de Jésus. Mbappé Patrick, ceux qui ont le don de guérison dans les mains là. Vous êtes censés travailler avec les mains pour avoir beaucoup d'argent. Je restaure vos mains. Mafo Genève. Geneviève, Noël Wansi, je vous restaure. DJ Dolly, Nguishi Dolly, pardon. Votre lumière ne sera plus jamais éteinte. Toute personne, nous nous accordons ensemble. Toute personne qui va vouloir venir briser ce que je viens de faire ici. Toute personne qui est ici là pour voir ce qu'on fait et vous attaquer. Par la puissance du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, de l'ange Michael, je viens embrouiller tous les ongles de ces personnes. Je viens détruire les incantations de ces personnes au nom de Jésus. Femme Emilienne, je te restaure. Tout ce que maléfique dans lequel vous avez mis sans que vous ne sachiez, je vous sors de là au nom de Jésus. Tout puits dans lequel, toute fosse commune dans lequel vous êtes enterré. On a enterré vos idées, on a enterré vos business. Ngobilon Suzanne, je vous restaure. Ludovic Kana, je vous restaure. Priez pour vos fiancés. Je restaure vos fiancés, qu'ils aient l'argent pour que vous fassiez votre mariage. Que vos projets ne tombent pas à l'eau. Vos chantiers que vous aviez abandonnés. Je déclare par cette lumière, allez sur votre chantier aujourd'hui, ou bien vous envoyez quelqu'un là-bas, on allume la bougie comme ça là. On dépose là-bas, ça brûle jusqu'à la fin. Dinga Eze. Je déclare que vous allez finir votre chantier ce mois au nom de Jésus. Matene Mbafalon Olga.
Je te restaure au nom de Jésus. Nous nous accordons par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, Mbarga Sandra, le Seigneur a dit, là où deux ou trois personnes sont rassemblées à mon nom, je suis là. Tout ce que vous allez briser sur la terre sera brisé au ciel. Tout ce que vous allez attacher sur la terre sera attaché au ciel. Le mini Ernestine Flore, je viens libérer tes idées de business. Je libère ta faveur. Avo Mumba, René, Natacha. Je vous restaure. Je vous restaure. Yovo Sandio. Toute personne qui vient prendre des noms ici pour aller faire des incantations. Je viens briser ta puissance. Je viens libérer toutes les personnes que tu avais mis dans ta calebasse. Toute personne qui vient souvent se mettre direct pour prendre les gens pour aller mettre dans sa calebasse. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les prisonniers de captivité. Tout trou dans lequel vous avez mis, je viens briser cette prison-là. Et je libère même les autres personnes qui étaient avec vous dans la prison. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que votre lumière ne va plus jamais s'éteindre. Je déclare que vos portes ne se fermeront plus, ni de nous, ni de nuit, ni de jour. Vous allez commencer des business qui vont donner l'argent nuit et jour. Fongan Dimitri. Ceux qui sont en train de vouloir traverser pour aller dans d'autres pays. Je m'accorde avec les agents de lumière qui sont en train de prier aussi avec moi. Nous vous restaurons au nom de Jésus-Christ. Nous vous restaurons. Ceux qui veulent traverser, je déclare l'ouverture. Cette semaine, vous allez traverser pour aller dans le pays où vous partez au nom de Jésus. Quand vous arrivez là-bas, le canal vous est ouvert pour que vous receviez vos papiers. Le premier mois, au nom de Jésus-Christ. Ou alors le désert, tu continues. Pour ceux qui sont au chômage, je déclare que vous créez vos entreprises. Vous lancez vos ventes de business. Peto Sandio, je vous restaure, je restaure vos idées. Mettez la main sur le ventre. Si vous avez la bougie à la maison, allumez aussi pour vous. Hein. Wabo Forest, je te restaure. Mouna Ariane Vanessa, je te restaure. Je viens bloquer cet environnement contre tout sorcier. Tout sorcier. Toute personne mal intentionnée, tu ne peux pas venir prendre quelqu'un ici pour lui faire quelque chose au nom de Jésus. Qui a accueilli Athénatan? Toute fausse commune dans laquelle on avait mis des autres personnes, je vous libère tous, je vous enlève. Vous et votre famille, je vous libère de ces fausses au nom de Jésus. Mettez la main sur le ventre. Je commande à toute entité maléfique qui est dans votre corps. Mettez aussi la main sur la tête, les maux de tête là. Tout ver de terre, tout asticot qu'on a mis dans votre tête. Vous avez quelque chose bouge sur votre corps ou comme ça là. Bella Maureen, Shamina Hassani, je vous libère. Bida Keren, j'ai été envoyé. Je suis la reine lumière. Partout je passe, j'apporte la lumière. Je viens libérer votre famille, vos frères, vos soeurs. Tout talisman qu'on a enterré dans votre concession au village. Pour vous bloquer. Pour bloquer les gens de votre famille. Suzanne Lenne, pourquoi vous ne vous mariez pas? Tommy Taché, je veux vous libérer. Je commande le jugement. Je prononce la mort sur tout sorcier qui ne veut pas que vous avancez. Je vous libère. Je libère vos trompes. Et des cas que vous concevez ce mois d'avril au nom de Jésus. Je libère vos trompes de tout mal, de tout esprit serpent. Tout ver qui vient manger votre ovule à chaque fois. Pongan Vincent, je viens te libérer. Je débloque vos finances. Je débloque vos idées. Franck Milangoy. Girbouba David, je m'accorde avec ta soeur ou ton frère. Je te libère de toute possession maléfique. Jazou Otavi, je te libère. Je libère vos pensées. Je déclare que vous allez recevoir les idées et vous les mettez en pratique. Je dépose sur vous l'esprit de discipline. Chouka Carole, je dépose sur vous l'esprit de discipline au nom de Jésus. Noubissi Lumière, je déclare que tu es libéré. Séverine Towa, tous vos enfants qui sont bloqués, vos enfants qui sont bloqués parce qu'on ne veut pas que vos enfants avancent, je viens débloquer vos enfants au nom de Jésus. Vos enfants qui sont bloqués en Algérie, là, ils n'arrivent pas à avancer. Je déclare que cette semaine, une voie va être faite pour que ces enfants avancent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a dit que vos enfants ne vont pas vous aider, je déclare que c'est sur leur cercle que vos enfants vont vous donner l'argent au nom de Jésus. Je prononce votre mort dans les 30 jours. Toute personne qui a bloqué vos finances, bloqué vos enfants, je prononce le jugement de mort sur eux. Je suis devenue tranchante. Hein. Je suis tranchante. En pas par le temps, vous mourrez. Mandeng Florence, je viens te libérer au nom de Jésus. Christelle Arlette, je te libère. Ne mets pas ton nom. Barbara Bilo, je te libère au nom de Jésus.
toute incantation familiale qui a été faite pour parler contre ton nom. Je te sors de tous les trous. Makogun Maël. Les trous familiaux, je vous sors de là. Vous êtes le premier milliardaire de votre famille. Dans les 6 prochains mois, je vous donne les milliards au nom de Jésus-Christ. Tous vos enfants vont exceller. Vous savez que vos enfants sont censés être des stars. J'ouvre l'école. L'école de foot va sélectionner votre enfant au nom de Jésus. Je déclare que la lumière de vos enfants s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Brûlez la bougie dans votre maison 3 jours. Vous appelez le nom de vos enfants. Vous lisez le psaume 35 et 91. Vous appelez le nom de tous vos enfants. Vous écrivez sur le papier, vous déposez là. Vous brûlez la bougie 3 jours. Premier jour, tu mets la bougie. Deuxième jour, il y a aussi les grosses bougies Saint-Michel là. On en a ici au Cameroun. Quand vous commandez, c'est costaud comme ça là. La bougie là peut brûler 3 jours d'affilée sans s'arrêter. Vous écrivez le nom de vos enfants, vous déposez là. Delto Foka, Thierry Junior, je viens te libérer. Ma enfance était là, je te libère. Les serpents qui ont pris votre cou. Isaïe 10, verset 27. Je déclare à cause de l'onction que tout joug sur votre vie est brisé. Joug à Karel. Je viens détruire tous ces pans bois qui te fait suffoquer. Tes finances, ça ne va pas depuis. Tanya Sanjo, je te libère. Toute personne qui vous devait, il vous appelle, il vous donne l'argent au nom de Jésus. Je déclare la mort sur les sorciers qui se connectent ici pour prendre les gens. Quand vous allez prononcer le nom de quelqu'un ici, c'est le Saint-Esprit qui va apparaître. L'ange Michael apparaît là-bas, il saccage tout ça. Tous vos hôtels, je commande qu'ils brûlent le nom de Jésus. Vous allez confirmer. Vous venez souvent ici, là, vous mettez vos petits postes là, vous croyez que quoi? Humbia Christelle, Nubis Yannick, j'active vos lumières. La famille puissante est libérée au nom de Jésus. J'enlève la confusion sur vos maris. J'enlève la confusion sur vos maris. Ils ne seront plus confus. Quand vous entendez pour faire quelque chose à votre mari, ils vont faire jusqu'à la fin au nom de Jésus. Je déclare que Ransom Khan Michel est libéré. Awa Ransom Khan, il est libéré au nom de Jésus. Je libère tous vos enfants. Allumez la lumière si vous mettez le nom des enfants à côté. La famille Tchoudi est libérée. Je viens vous détacher. J'enlève les menottes spirituelles qu'on avait mises sur vous. Vos enfants ont demandé le visa 5 fois, on a refusé. Je déclare que dans cette saison, ils obtiennent leur visa au nom de Jésus. Je libère la famille Foka. La mésentente familiale, je vous en libère. Tout esprit de mésentente qui est dans votre famille, je vous en libère au nom de Jésus. Ce Dieu Anogil, Sandy Edwige, je vous libère. Kemadou Christine, avec tous tes enfants, toute ta famille, je vous libère au nom de Jésus. Toute personne qui est venue vous séparer du père de vos enfants, et vous ne vous entendez même plus. Je décape à la puissance du Saint-Esprit que votre famille est restaurée. Votre mari est parti sans laisser de nouvelles. Où qu'il soit, je l'appelle. Accordez-vous avec moi, appelez le nom de l'homme là. Il s'occupe de ses enfants. Il a développé une relation avec ses enfants au nom de Jésus. La famille Batama, la famille Bakoken, Bernadette Mouadje, je vous libère au nom de Jésus. La famille Kowa Mabou, la famille Ekwele, je vous libère. Sala Kwotu, tous ceux qui cachaient vos enfants pour qu'on ne les voie pas. Ils font leur vidéo, ils mettent en ligne, on ne voit pas leur vidéo. Je libère vos enfants de l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus. Metinda Sanjo, je déclare que vous serez célèbre à cause de vos enfants. Tous les dons qu'il y a dans vos enfants là. Les sélectionneurs vont localiser vos enfants ce mois au nom de Jésus. La famille Ngedji. La famille Fitza. Santa Maria Rodrigue, je te libère au nom de Jésus. Et si quelqu'un vient ici là, il est en train de s'amuser. Tu viens porter ta propre malédiction ici. Si tu es en train de t'amuser dans mon direct, tu portes ta malédiction ici. Donc, pas seul. Les enfants baissés, au nom de Jésus, je te libère, je vous libère.
Foka Fanga Marie-Antoine et Somba, la famille Yossa, la famille Nzaku, la famille Chocotieu. Le fils Mathis de Medina est libéré. La famille est bon. Mongoutou Karim. Lichap Aimé Grasse. Ngichet, Nginette Suzanne. Zambo Thierry. Alia Christy. La famille Ega Ibongo. Pendant 3 jours, allumez la bougie à la maison. La famille Djoko, je vous libère. Je déclare qu'aucune incantation, aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. La famille Takou, la famille Djoko, la famille Saint-Charles et Delicap. La famille Ngassi, je vous libère. Rosine Ludvine Niate, je te libère et je te donne ton visa. Famille Sinje, la famille Chamou. Je mets la réconciliation dans votre famille, les familles qui avaient été décomposées. Je restaure tout le business qui était déjà mort. Prenez la bougie, la même bougie qui était là, vous allumez ça dans votre business pendant 3 jours. Yango, Jemima, je restaure vos business qui étaient attaqués. Vos projets bancaires, vous avez demandé le crédit à la banque pour aller faire des œuvres charitables. Je libère cet argent au nom de Jésus. La famille Biwole, je vous libère. La famille Ngeti. Rosine Ngate, Niante, Madia, je te libère. Je libère tes trompes. Yumi Karine. La famille Lobé. Manga Marie Raissa, je reçois ton visa. Abou Nasser Simon. La famille Kené. La famille Barclays. Je vous libère, la famille Djemo, la famille Bicon, la famille Ngofo. Je mets l'entente dans le nom, dans toutes ces familles que je viens de prononcer. La famille Mbombo, je viens mettre l'entente, que vous soyez d'un seul cœur. Tout fétiche qu'on a enterré dans votre concession familiale, avec le fil, les griffes d'animaux qu'on a enterrés, ou encore les sous-vêtements qu'on a pris pour l'enterrer, je viens comme ça déterrer cela par la puissance du Saint-Esprit. Nubisi Michabel. Famille Wankam, Mayungen, je déclare que vous allez réussir votre loterie américaine cette année au nom de Jésus. La famille Chokote, famille Sanji, je vous libère. Famille Etundi, je déclare que vous êtes désenvoûté. Tout esprit qui avait pris possession de votre corps. Rosine du Divine, tu reçois ton visa. Sag et Adèle Sylvie. Je viens vous bénir. J'envoie sur vous l'onction de purification. Mettez le miel dans l'eau pour vous laver aujourd'hui. Le miel et le sel. Da Silva Cévete Semedo. C'est Veta, c'est Médo. Meta Gertrude. Vous mettez le sel, vous mettez le sucre dans l'eau, le miel, pardon. Par ce miel, je restaure votre attirance. Je viens activer votre aura. Je restaure votre étoile. Donc j'ai dit la bougie, vous brûlez la bougie. Vous mettez le miel dans votre eau, ajoutez le miel dans votre eau. Et pendant que vous faites votre travail, j'apparais là-bas avec l'ange de l'Éternel pour vous libérer au nom de Jésus. Vous pouvez aussi bénir l'eau, vous buvez. Si vous avez l'eau que je bénis souvent, parfois je bénis l'eau en direct. Vous prenez l'eau là, vous buvez aujourd'hui, ça va enlever beaucoup de choses de votre ventre. La famille Ngouatou Gilles, merci. La famille Ngouatou Gilles, j'ai même dit merci. La famille Wansi. Tout nom que j'ai prononcé ici, famille Mvélé. Je déclare que les anges prennent vos noms. Ils arrivent au sein des saints. Et puis ils vous libèrent. Si vous avez besoin d'organes, si vous avez des maladies dans votre corps, ils vous restaurent. Si vous avez la mésentente, on chasse l'esprit de mésentente. S'il y a les maladies, on vous guérit. Si vous manquez de finances, on vous apporte des gros cachets au nom de Jésus. Je restaure votre argent, je restaure vos business qui étaient morts.
Je remets la vigueur, la famille Wakam, Wakam. Je mets la vigueur dans votre corps. Je dis, quand vous reprenez votre punch, cherchez le miel de préférence. On m'a montré le miel. Tu lèches un peu, tu mets l'autre dans toi. Le miel doit couler de toi, en fait. Et vous lisez le psaume 35 dessus. Vous lavez avec. Recevez vos papiers par la puissance du Saint-Esprit. Recevez vos papiers. La banque va vous répondre cette semaine et on va vous donner ce que vous avez demandé. La famille Tuisseux. La famille Bikbaka. Je restaure votre puissance au nom de Jésus. Je vais mettre la paix sur vous. La famille Ndonfak. Everything you put your hand, go work. Your name would open doors. Amen. Amajoda Djiré, la famille Amajoda Djiré, je vous bénis. La famille Ambassa, je vous bénis. Reçois ton enfant. Youvop Sandio. La famille Lenan. Talonfo. Goumias Gouyamsa. J'ai prié et j'ai donné aussi des instructions. Allez faire ce que j'ai dit. Ok? Soyez bénis. Recevez vos guérisons. Pendant que vous faites votre travail, je suis là. La famille Zinche. Je viens de vous dire d'aller faire quelque chose où vous buvez, vous vous lavez avec. Vous venez me dire que vous avez encore mal au ventre. Ouais. La famille Bondo Younes. Good news, go locate you. Amen. If you believe me, say amen. 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 Hey. Good news, go locate you. Your life no go end in shame. If you believe me, say amen. Amen. Hey, Seigneur. Vous allez avoir la sauce gombo aujourd'hui. Les bonnes choses, vous guettez. Les bonnes choses. Beaucoup de mauvais esprits sont sortis. Vous ne savez peut-être pas. Beaucoup sont sortis. Passez une très, très, très belle journée. Ceux qui vont regarder ce direct après, je m'accorde avec vous. Pendant que votre esprit s'accorde avec moi et que vous mettez votre nom sur cette vidéo plus tard, je m'accorde avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille Tamen. Mogou.